Je vais peut-être commencer par me présenter, juste 2 petites minutes, le temps que tout le monde ait bien le temps de se connecter. Donc moi je m'appelle Cécile, je suis prof de yoga. J'enseigne le Hatha Yoga, le Yin Yoga, les Pranayama et la méditation. Donc je suis devenue prof de yoga suite à une reconversion professionnelle parce que moi j'adore le yoga, c'est une pratique qui a vraiment changé ma vie et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment envie de la partager avec un maximum de personnes et c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un cours de Hatha Yoga dynamique. Donc on va commencer par un kriya, c'est un exercice de purification qui va être assez dynamisant, assez énergisant. Ensuite, on enchaînera par la pratique posturale, donc d'abord des salutations au soleil, et puis ensuite on passera aux postures en tant que telles, mais qui seront toujours liées entre elles par des salutations au soleil pour continuer vraiment dans ce côté dynamique, fluidité, le mouvement, etc. On terminera ensuite notre pratique par un retour au calme avec la relaxation et puis un pranayama calmant. Si vous avez des questions après la pratique ou même pendant, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc je vous répondrai pas forcément pendant hein, puisque je donne le cours, mais je vous répondrai ensuite et n'hésitez pas à me contacter ensuite via mon compte Instagram. Voilà, sinon pour finir de me présenter, moi je donne des cours en présentiel à Colmar en Alsace. Et je donne aussi pas mal de cours en ligne, généralement entre le mardi et le jeudi, et donc tout un tas de cours, mais quand même principalement du Hatha et du Yin Yoga, Hatha dynamique, Hatha doux, réveil du corps, tout ce genre de choses. Voilà, bon, le temps que les derniers arrivent, on va pouvoir commencer à se placer sur le tapis, on va tranquillement commencer la séance. Si vous avez l'habitude de travailler avec des briques, vous pouvez prendre des briques avec vous, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout, on peut faire toute la séance sans les briques. On va commencer par venir s'asseoir en tailleur sur notre tapis, les mains sur les genoux, le dos droit. Relâchez les épaules et fermez les yeux. Et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Sur chacune de vos expirations, vous laissez les os des fesses s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Et sur chaque inspiration, c'est le sommet de votre crâne qui est attiré vers le plafond. Commence à créer de plus en plus d'espace le long de la colonne vertébrale. De plus en plus d'espace dans tout le buste pour permettre à l'air de prendre toute la place dont il a besoin dans notre corps. Et observez simplement votre respiration. On cherche à la modifier. Comment vous respirez naturellement aujourd'hui, en ce moment? Est-ce que la respiration est plutôt courte, plutôt longue, profonde ou non? Est-ce que vous respirez plus par une narine ou par l'autre? Vous pouvez observer votre corps tout entier. Observez si vous avez des tensions à certains endroits du corps. Observez les éventuels blocages. Et vous pouvez essayer d'apporter votre respiration à ces endroits pour les détendre un peu plus. Et enfin, prenez quelques instants pour observer votre mental, vos pensées. Encore une fois, sans chercher à les contrôler, mais simplement regardez dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que le mental est plutôt agité? Est-ce qu'il est au contraire plutôt calme? Constatez simplement. Vous pourrez ramener les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On va commencer la séance en chantant une fois le mantra Om sur les sons A, O, M. Prenez une grande inspiration pour chanter. Et vous pouvez doucement reposer les mains sur les genoux et on va commencer notre séance avec un kriya kapalabhati. Donc je vous montre.
À chacune de vos expirations, vous allez rentrer le ventre, contracter les abdominaux comme si vous vouliez coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Et c'est ce mouvement-là qui va venir chasser l'air en dehors de vos poumons, un peu comme un soufflet. Sur chaque inspiration, vous reprenez juste une inspiration normale par le nez, vous laissez votre ventre se regonfler. On respire, on inspire, on expire, toujours par le nez. Donc ça va donner ça. Vous pouvez placer la main sur le ventre si ça vous aide à mieux sentir le mouvement. Si jamais vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires ou que vous êtes enceinte, ne faites pas cette respiration et pendant qu'on la fera, vous pouvez continuer à vous concentrer sur votre respiration naturelle. On va commencer avec un premier cycle de 30 respirations. Donc à chaque fois que je vais compter 1, 2, 3, c'est une expiration de votre part. On y va ensemble. Vous pouvez refermer les yeux. Prenez d'abord une très grande inspiration. Très grande expiration. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et expirez complètement et vous prenez une très grande inspiration. Très grande expiration. Inspirez pour un deuxième cycle. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et expirez complètement, videz tout votre air. Reprenez une très grande inspiration. Une très grande expiration. Et pour un dernier cycle un peu plus rapide, grande inspiration. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et expirez complètement. Reprenez une très grande inspiration. Très grande expiration. Et inspirez jusqu'à 80% de votre capacité pulmonaire. Puis bloquez la respiration. Petite rétention, poumon plein. Imaginez que tout l'air est contenu dans votre crâne. Essayez de ne pas crisper le reste de votre corps. Ne crispez pas le visage. Ne crispez pas le ventre. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez expirer tout doucement sans faire de bruit, puis retrouver votre respiration naturelle. Prenez le temps d'observer la respiration, de voir s'il y a des différences par rapport au début de la séance avant de faire l'exercice. S'il n'y en a pas, c'est pas grave du tout. Observez tout simplement. Et depuis notre position en tailleur, on va poser les mains devant nous sur le tapis et venir décroiser les jambes pour passer dans une posture à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va commencer par doucement réveiller le dos. Sur chaque inspiration, on va cambrer le dos, regarder vers l'avant. Et on expire, on fait un dos rond, le regard entre les cuisses. Inspirez, dos creux, regard vers l'avant. Et expirez, dos rond, regard entre les cuisses. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Puis vous pouvez ramener le dos droit. Crochetez les orteils à l'arrière et repoussez le sol avec les mains pour venir vous placer en Adho Mukha Svanasana, triangle inversé. Les pieds toujours écartés à la largeur des hanches. On repousse bien le sol avec les mains. Essayez d'étirer le dos au maximum. N'hésitez pas à fléchir les genoux ou à décoller les talons du sol. Et vous pouvez peut-être marcher un petit peu d'un pied sur l'autre. Commencez à venir réveiller l'arrière des jambes. Puis trouvez un peu d'immobilité dans la posture. Repoussez bien le sol avec vos mains.
comme si vous vouliez éloigner vos épaules de vos poignets et éloigner vos fesses de vos épaules. Puis regardez à l'avant du tapis et vous pouvez marcher pour ramener vos pieds à l'avant du tapis, proche des mains. Relâchez complètement la tête, fléchissez légèrement les genoux et tout doucement, vous pouvez dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour venir vous redresser complètement et vous placer en Tadasana. On est à l'avant de notre tapis, les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement espacés. Les jambes sont tendues, actives, donc vous levez légèrement les rotules et vous serrez les cuisses l'une contre l'autre. Le dos droit, poitrine légèrement tirée vers le ciel, on roule une fois les épaules vers l'arrière pour les relâcher, les bras tendus et les doigts tendus. Sur l'inspiration, on va ouvrir les mains vers l'avant et on expire, on ramène les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Inspirez les bras tendus vers le ciel, vous regardez les pouces, étirez-vous vers le haut. Et à l'expiration, on détache les paumes de main, on penche le buste vers l'avant et on vient placer les mains au sol de chaque côté des pieds. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. On inspire, on envoie le pied droit loin derrière, posez genoux et coude pied droit au sol, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, on crochette les orteils du pied droit, tendez la jambe et ramenez le pied gauche à côté du pied droit dans une planche, les jambes serrées, le regard toujours vers l'avant. Ici, on retient le souffle, on pose les genoux au sol, on cambre le dos et on va plier les coudes vers l'arrière pour ramener le menton et la poitrine au sol. Donc, j'ai toujours les hanches un petit peu en l'air. Sur l'inspiration, on plaque les coudes pieds au sol, on plaque les hanches au sol et on redresse le buste, Bhujangasana. Expirez, crochetez les orteils en pliant les jambes ou non. Vous pouvez repasser dans un triangle inversé, cette fois-ci les pieds serrés, Parvatasana, le regard entre les tibias. Inspirez, regard à l'avant du tapis et ramenez le pied droit entre les deux mains. Posez genou, coude pied gauche, regardez vers l'avant et étirez le buste. Et sur l'expiration, crochetez les orteils du pied gauche. Tendez la jambe et ramenez pied gauche à côté du pied droit. Relâchez complètement la tête, le regard entre les tibias. Et on inspire, les bras tendus à l'avant, mains jointes. On regarde les pouces et on redresse le buste avec le dos le plus droit possible. Étirez les bras vers le ciel, regardez vers les pouces. Et expirez, les mains devant la poitrine. On fait la même chose à gauche. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Regardez les pouces. Étirez-vous vers le haut. Et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, pied gauche loin derrière. Genou, coude pied au sol. On regarde vers l'avant. Et on expire. On ramène pied droit à côté du pied gauche. Regardez toujours vers l'avant. Retenez le souffle. Genou au sol. Cambrez le dos. Ramenez le menton et la poitrine au sol. Et inspirez, coude pied au sol. Hanche au sol. Redressez le buste. Expirez, crochetez les orteils, montez dans Parvatasana, triangle inversé, on regarde entre les tibias et on inspire, regard à l'avant, pied gauche entre les mains, on pose genou, coup de pied droit, regard vers l'avant, étirez le buste. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant de votre tapis, relâchez la tête et on inspire, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste, étirez-vous vers le haut, regardez les poussées, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Vous pouvez commencer à pousser les hanches vers l'avant, vous étirez vers l'arrière. Et on expire, on penche le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, pied droit loin derrière. Genou, coup de pied au sol, regardez vers l'avant. Et expirez, pied gauche à côté du pied droit. Retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos, menton, poitrine au sol. Et on inspire pour Bhujangasana, redressez le buste. Expirez, crochetez les orteils, Parvatasana, regard entre les tibias. Et on inspire, regard à l'avant, pied droit entre les mains, genou, coup de pied gauche au sol, regard toujours vers l'avant. Expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis, relâchez la tête. Inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste, regardez les pouces. Poussez légèrement les hanches vers l'avant pour étirer le buste vers l'arrière et expirez, main devant la poitrine. À gauche, inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant et étirez-vous vers l'arrière. Et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, pied gauche derrière, on pose genou, coup de pied, regard vers l'avant. Et on expire, on ramène pied droit à côté du pied gauche dans une planche. Retenez le souffle, posez les genoux au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol. Et inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, on redresse le buste, Bhujangasana. Expirez, crochetez les orteils, passez dans Parvatasana, triangle inversé, regard entre les tibias. Et inspirez, regard à l'avant, ramenez pied gauche entre les mains, on pose genou, coup de pied, regard vers l'avant. Expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche, relâchez complètement la tête et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste, les bras vers le ciel, poussez les mains vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez les mains vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds.
On inspire, on envoie le pied droit loin derrière, genou coup de pied au sol, regardez vers l'avant. Et expirez, pied gauche à côté du pied droit dans une planche, retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol et inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, redressez le buste. Et expirez, crochetez les orteils, parvatasana, triangle inversé, regard entre les tibias. Et inspirez, regard à l'avant, pied droit entre les mains, pose genou, coup de pied, regard toujours vers l'avant. Et expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez complètement la tête et on inspire, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse complètement le buste, regardez les pouces, poussez les hanches vers l'avant, tirez-vous vers l'arrière et expirez, ramenez les mains devant la poitrine et dernière fois à gauche. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, pied gauche loin derrière, genou coup de pied au sol, le regard vers l'avant. Et on expire, on ramène pied droit à côté du pied gauche. Retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol. Et inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, on redresse le buste, Bhujangasana. Expirez, crochetez les orteils, passez dans Parvatasana, triangle inversé, regard entre les tibias. Et on inspire, regard à l'avant, pied gauche entre les mains, posez genou, coup de pied droit, regard toujours vers l'avant. Et expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche, relâchez complètement la tête, regard entre les tibias. Et on inspire, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste, les bras tendus vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant, tirez-vous légèrement vers l'arrière et expirez, ramenez les mains devant la poitrine, puis le long du corps, dans Tadasana. Vous pouvez ici fermer les yeux, prendre quelques instants en Tadasana avant d'enchaîner avec le reste des postures. Veillez à bien répartir le poids de votre corps uniformément sur vos pieds, autant de poids sur un pied que sur l'autre et autant de poids sur l'avant que sur l'arrière de votre pied. Les bras toujours actifs, les jambes toujours actives. Encore quelques respirations ici, les yeux fermés. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Et on va commencer avec notre première posture, Padangusthasana. Vous avez les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Et vous allez placer les mains à la taille. Sur une inspiration, vous grandissez le buste. Et sur l'expiration, vous penchez complètement le buste vers l'avant. Vous venez attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Vous crochetez bien les orteils. Si vous ne pouvez pas attraper, vous pouvez plier les genoux. Ou vous pouvez aussi venir attraper à l'arrière de vos mollets ou de vos cuisses. Et on inspire, on étire la colonne vertébrale, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, on vient fléchir les coudes vers l'extérieur et on cherche à ramener notre ventre vers nos cuisses. Vous relâchez complètement. Et on reste ici pour 9 respirations. Doué. Pliez, respirez bien dans la posture, relâchez les abdominaux. Pancha, ramenez le poids du corps sur l'avant des pieds, la tête vraiment complètement relâchée. Sapta. Ashtav. Et Nav, appuyez sur une inspiration, regardez vers l'avant, étirez la colonne vertébrale, les bras tendus. On expire, on ramène les mains à la taille. Inspirez, redressez le buste et expirez, revenez en Tadasana, les pieds l'un contre l'autre. Pour Vrikshasana, vous allez bien ancrer votre pied gauche dans le sol et vous pouvez ramener la plante de votre pied droit contre soit votre cheville gauche avec les doigts posés au sol, soit contre le mollet, soit contre la cuisse. Vous choisissez une hauteur dans laquelle vous vous sentez à l'aise et dans laquelle vous allez pouvoir rester 9 respirations. Puis on ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum et vous regardez un point fixe devant vous. On reste là aussi, 9 respirations. Trini. Chatwari. Respirez bien. Chat. La jambe de terre est bien engagée, le pied ancré dans le sol. Ashtao. Et Nava. Et sur l'inspiration, on relâche d'abord les bras, puis on expire, on repose la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ancrez bien le pied droit dans le sol, engagez la jambe de terre et vous venez placer la plante du pied gauche contre la cheville, le mollet ou bien contre la cuisse droite. Les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, pouces en contact avec le sternum. Regardez bien un point fixe devant vous. Trini. Chatwari, vous pouvez imaginer qu'on vous tire le sommet du crâne avec un fil vers le plafond pour vous grandir de plus en plus. Chat. Sapta, encore deux respirations.
Ashtao. Et Nava, et puis on inspire, on relâche les bras. Et on expire, on repose le pied gauche à côté du pied droit. Et on va enchaîner avec deux salutations au soleil, une de chaque côté. Vous inspirez, vous tournez les paumes de main vers l'avant et vous expirez, main devant la poitrine. Inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez les mains vers l'avant, tirez-vous légèrement vers l'arrière et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, pied droit loin derrière, genou, coup de pied au sol, on regarde vers l'avant. Et on expire, on ramène pied gauche à côté du pied droit, regarde toujours vers l'avant, retenez le souffle, posez les genoux au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol. Et vous inspirez, dans Bhujangasana, redressez le buste. Expirez pour Parvatasana, regarde entre les tibias. Et inspirez, regarde à l'avant, pied droit entre les mains, pose genou, coup de pied, regarde vers l'avant. Expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste. Poussez les hanches vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez. Main devant la poitrine, le regard toujours sur les pouces. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Poussez légèrement les hanches vers l'avant pour vous étirer vers l'arrière et expirez. Penchez le buste vers l'avant, main seul à côté des pieds. On inspire, pied gauche loin derrière, genou, coup de pied au sol, regardez vers l'avant. Et expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche, retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol. Et on inspire, coup de pied au sol, hanche au sol, redressez le buste. Expirez pour Parvatasana, triangle inversé, regarde entre les tibias. Et inspirez, regarde à l'avant, pied gauche entre les mains, posez genou, coup de pied, regarde toujours vers l'avant. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis, relâchez la tête. Et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes. On redresse le buste, poussez les hanches vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, ramenez les mains devant la poitrine, puis le long du corps, Tadasana. Pour entrer dans Trikonasana, vous pouvez placer les mains à la taille et sur une inspiration, vous pouvez fléchir les jambes et envoyer votre pied droit vers l'arrière pour venir ensuite vous tourner face au bord long de votre tapis. Vous devez avoir les jambes pas trop écartées. Si vous étirez les bras sur le côté, vous devez avoir vos coudes à peu près au-dessus de vos malléoles externes, donc le petit rond, l'os rond de la cheville. On tourne le pied droit vers la droite. On regarde la main gauche et sur l'inspiration, on va pousser les deux hanches vers la gauche. Et c'est comme si quelqu'un nous tirait la main vers la droite. On va jusqu'au plus loin de notre capacité. Et à l'expiration, on vient placer la main droite sur notre jambe droite. Ça peut être sur le tibia, ça peut être aussi sur la cuisse. En tout cas, pas sur le genou. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche si vous n'avez pas mal au cervical. Et ici, vous pouvez légèrement pousser les hanches vers l'avant pour venir reculer un petit peu le dos, comme si vous vouliez plaquer le dos contre un mur derrière vous. Une fois que vous sentez que vous avez bien reculé le dos, vous pouvez chercher à tourner un petit peu plus votre poitrine vers le ciel. Encore quelques respirations dans la posture. Chat. Sapta. Ashtao. Et Nava, puis on inspire, on regarde la main droite et sur l'expiration, on vient redresser le buste. Et même chose de l'autre côté, fermez le pied droit, ouvrez pied gauche, regardez la main droite et sur l'inspiration, on pousse les deux hanches vers la droite, quelqu'un nous tire par la main gauche. Sur l'expiration, on vient placer main gauche sur la jambe gauche et on étire bras droit vers le ciel, le regard vers la main droite. Ici, même chose, on pousse un peu les hanches vers l'avant pour reculer d'abord le dos. Et ensuite, on peut chercher à tourner un peu plus le buste vers le ciel. Chaturvali, respirez bien dans la posture. Pancha, cherchez bien à allonger votre flanc gauche autant que votre flanc droit. Sapta. Ashtao. Et Navaï, sur l'inspiration, on regarde la main gauche et on expire. On vient complètement redresser le buste. Vous pouvez reposer les mains à la taille. On enchaîne tout de suite avec Parvottanasana. Vous pouvez fermer votre pied gauche vers l'intérieur, ouvrir votre pied droit complètement vers la droite et tourner vos hanches au-dessus de votre jambe droite. Ici, vous pouvez soit ramener les mains en prière dans le dos avec les doigts dirigés vers la tête, ou vous pouvez aussi venir attraper vos coudes opposés dans le dos. Choisissez la version qui est la plus confortable pour vous. On inspire, on se grandit le plus possible et à l'expiration, on va pencher le buste vers l'avant en cherchant à garder le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible, comme si on voulait rapprocher notre ventre de notre cuisse, le regard sur les orteils du pied droit. Trini. Chaturvali, vous pouvez tirer un peu la hanche droite vers l'arrière, pousser la hanche gauche vers l'avant pour avoir vos deux hanches bien alignées à l'avant de votre tapis. Chat. Sapta.
Ashtar. Et Nava, puis on inspire. On redresse complètement le buste. Fermez le pied droit vers l'intérieur. Ouvrez pied gauche complètement vers la gauche et tournez vos hanches. Vous pouvez remettre vos bras dans le dos si vous les aviez enlevés, soit coude opposé, soit les mains en prière. Et on inspire, on se grandit. On expire, on penche le buste vers l'avant, le ventre vers la cuisse. Regardez les orteils du pied gauche. Cherchez à allonger le dos le plus possible et vous pouvez tirer un peu la hanche gauche vers l'arrière, pousser la hanche droite vers l'avant. Pancha. Si vous avez les mains en prière dans le dos, gardez vraiment les deux paumes collées l'une à l'autre, pas seulement la tranche des mains. Sapta. Encore deux respirations, relâchez les abdominaux. Ashtau. Et Nava, puis vous pouvez inspirer, vous redresser. Fermez le pied gauche, les mains à la taille. On inspire, on plie sur la jambe droite. Et on expire, on repart à l'avant du tapis, Tadasana, pour deux salutations, une de chaque côté. Inspirez, tournez les paumes de main vers l'avant. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez l'ange vers l'avant, tirez-vous vers l'arrière. Et expirez, penchez le buste vers l'avant, les mains au sol à côté des pieds. On inspire, on envoie le pied droit loin derrière, posez genou, coup de pied, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, ramenez pied gauche à côté du pied droit dans une planche, retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos, ramenez le menton et la poitrine au sol et inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, redressez le buste. Et expirez, crochetez les orteils, Parvatasana, regarde entre les tibias. Et on inspire, regard à l'avant, pied droit entre les mains, posez genou, coup de pied, regard toujours vers l'avant. Expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste. Poussez l'air vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, main devant la poitrine. Inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez l'air vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière. Et expirez, penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, envoyez pied gauche à l'arrière, genou, coup de pied au sol, on regarde vers l'avant. Et on expire, ramenez pied droit à côté du pied gauche. Retenez le souffle, genou au sol, cambrez le dos. Et ramenez menton, poitrine au sol, puis inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, redressez le buste. Et expirez, crochetez les orteils, passez dans Parvatasana, regard entre les tibias. Et inspirez, regard à l'avant, pied gauche entre les mains, pose genou, coup de pied, regard vers l'avant. Et expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête. Et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste. Poussez l'ange vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez. Ramenez les mains devant la poitrine, puis le long du corps, en Tadasana. Pour rentrer dans Virabhadrasana 2, vous placez les mains à la taille et vous inspirez, vous pouvez plier les genoux. Expirez, envoyez le pied droit loin derrière et tournez vers le bord long de votre tapis. Ici, on a les jambes plus écartées que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, si on écarte les bras, on doit avoir là à peu près les poignets au-dessus des malléoles externes. Vous fermez un petit peu le pied gauche, vers l'intérieur et vous ouvrez complètement le pied droit vers la droite. On étire les deux bras sur le côté, regardez votre main droite, inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, on va venir fléchir notre jambe droite. Donc vous pouvez agrandir plus ou moins l'écart entre vos deux pieds selon vos capacités de flexion de la jambe. On reste ici pour 9 respirations, Chaturthasana. Ne laissez pas votre genou droit partir vers l'intérieur. Continuez toujours à le pousser vers l'arrière pour bien ouvrir les deux hanches. Chat. Sapta, le regard toujours sur les doigts de la main droite. Redressez bien le buste. Ne laissez pas le buste partir vers l'avant. Il reste toujours bien à la verticale. Et Nava, puis on inspire, on tend la jambe droite. On ferme le pied droit vers l'intérieur. Ouvrez pied gauche complètement vers la gauche. Regardez la main gauche. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Fléchissez la jambe gauche. Là aussi, on pousse bien le genou vers l'arrière, vers l'extérieur. On ne laisse pas tomber vers l'avant. Le buste bien redressé, pancha. La jambe droite est tendue, on presse la tranche externe du pied droit dans le sol. Sapta, encore deux respirations. Respirez amplement. Ashtau. Et Nava, puis on inspire, on tend la jambe gauche. On referme le pied gauche un petit peu vers l'intérieur pour Prasarita Padottanasana. Ici, vous devez avoir les deux pieds un petit peu rentrés vers l'intérieur. Plus vous écarterez les pieds, plus la posture sera facile. Plus vous les resserrez, plus ce sera difficile. Donc, choisissez un écart qui vous convienne bien et vous pouvez placer les mains à la taille. Et sur l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, avec un mouvement qui part des hanches, on vient se pencher vers l'avant. Le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Vous gardez les mains à la taille pendant toute la posture et quand vous allez à votre maximum,
Vous pouvez relâcher la tête. Si le dos s'arrondit très légèrement, c'est pas grave. Cherchez pas à forcer l'arrondi. On cherche plutôt à allonger la colonne, mais si ça arrondit un petit peu, c'est pas grave du tout. Et vous cherchez à ramener votre buste entre vos jambes, comme si vous vouliez venir poser le sommet du crâne au sol sur la ligne entre nos deux pieds. Gardez bien les jambes tendues, pencha. Respirez bien, relâchez les abdominaux, chat. Le poids du corps sur l'avant des pieds, sapta. Encore deux respirations, ashtao. Et navapu sur l'inspiration, le regard se lève d'abord, on étire la colonne vertébrale, on remonte complètement le buste. Et expirez sur place, et inspirez, pliez la jambe droite, repoussez le tapis pour revenir à l'avant du tapis sur une expiration, tadasana. Deux salutations au soleil, une de chaque côté. Vous inspirez, tournez les paumes de main vers l'avant, et expirez, main devant la poitrine. Inspirez les bras tendus vers le ciel, poussez l'un vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, penchez le buste vers l'avant, les mains au sol, à côté des pieds. Sur l'inspiration, on envoie pied droit loin derrière, posez genoux, coup de pied, regardez vers l'avant. Et expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit dans une planche, retenez le souffle, genoux au sol, cambrez le dos et ramenez menton, poitrine au sol. Puis inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol, on redresse le buste, Bhujangasana. Expirez, crochetez les orteils, passez dans Parvatasana, regard entre les tibias. Inspirez, regard à l'avant, pied droit entre les mains, pose genou, coup de pied gauche, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête et inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse complètement le buste. Poussez les jambes vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez, main devant la poitrine. Dernière à gauche, inspirez, bras tendus vers le ciel, poussez les jambes vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez. Penchez le buste vers l'avant, main au sol à côté des pieds. Inspirez, envoyez pied gauche derrière. Genou, coup de pied au sol, on regarde vers l'avant. Et on expire, ramenez pied droit à côté du pied gauche. Retenez le souffle, genou au sol. Cambrez le dos et ramenez menton, poitrine au sol. Puis inspirez, coup de pied au sol, hanche au sol. Redressez le buste, Bhujangasana. Et expirez, crochetez les orteils, Parvatasana, regard entre les tibias. Inspirez, regard à l'avant, ramenez pied gauche entre les mains, posez genou, coup de pied. Regarde toujours vers l'avant. Et on expire, pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête. Inspirez, bras tendus vers l'avant, les mains jointes, on redresse le buste, regardez les pouces, poussez les hanches vers l'avant, étirez-vous vers l'arrière et expirez. Ramenez les mains devant la poitrine, puis le long du corps, dans Tadasana. Et ici, de nouveau, vous pouvez fermer les yeux quelques instants pour reprendre votre souffle. Gardez les jambes actives, les bras actifs. Respirez doucement. Si vous avez besoin, vous pouvez boire un petit peu d'eau, ouvrir les yeux. On va reculer d'un pas sur le tapis. Écartez les pieds de la largeur des hanches. Et pour Uttanasana, on va venir attraper les coudes opposés avec les mains. Et sur l'inspiration, on monte les bras autour de la tête, on se grandit. Et on expire avec un mouvement qui part du bassin, comme si vous vouliez monter la chair des fesses vers le haut. Vous commencez à pencher le buste vers l'avant. Le dos doit toujours rester droit dans cette posture. Donc vous vous arrêtez dès que vous sentez que votre dos va s'arrondir. Même si c'est très haut, c'est pas grave du tout. L'important, c'est vraiment que le dos soit droit. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous basculez le poids du corps sur l'avant des pieds. Et vous tirez bien vos coudes avec vos mains. Un petit peu vers l'avant et un petit peu vers le haut. Pour bien travailler les épaules. On reste 7 respirations ici. On en a déjà fait 4. Et continuez à bien respirer. Pancha. Chat. Et ça tape. Puis on inspire, on tend les bras vers l'avant, on regarde à l'avant du tapis. Et là, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant jusqu'à ce que vos mains atterrissent au sol. Puis on recule les pieds et on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana. Les pieds écartés à la largeur des hanches, repoussez bien le sol avec vos mains, les doigts sont écartés dans le sol. On presse le sol avec base du pouce, base de l'index. Et cherchez vraiment à étirer votre dos le plus possible si vous avez les genoux pliés. Les talons décollés du sol, c'est très bien aussi. L'essentiel est que le dos soit étiré. Le regard entre les tibias, pancha. Encore deux respirations. Chat. Et ça tape, puis inspirez, regardez à l'avant du tapis. Posez les genoux au sol. Posez les coups de pied au sol. Les gros orteils. Pardon, j'ai perdu mon oreillette. Les gros orteils ensemble. Et vous repoussez ici aussi le sol avec vos mains pour envoyer les fesses vers l'arrière. Soit le regard entre les mains, soit vous pouvez poser le front au sol. Mais dans tous les cas, gardez les mains et les bras actifs, les mains presses dans le sol, les bras
sont tendues. Et on cherche à envoyer les fesses le plus possible vers l'arrière pour étirer le dos dans toute sa longueur. Encore 3 respirations. Ancha. Chat. Et Sapta. Puis inspirez, redressez-vous doucement. Et vous allez pouvoir vous asseoir sur les fesses. Tendre les jambes devant vous. On continue avec Dandasana. Avant de faire les postures assises, pour bien vérifier que vous êtes assis sur les os des fesses, vous pouvez attraper la chair de vos fesses et la remonter un petit peu. Ça vous aidera pour partir ensuite dans les flexions. On tend les jambes, les pieds sont flex et pour Dandasana, on vient placer les mains de chaque côté des fesses. On repousse le sol avec les mains. Le dos bien droit, on ramène le menton vers la poitrine et on reste ici pour 9 respirations. Plini. Chatouali, pressez bien l'arrière des jambes dans le sol pour activer les cuisses. Engagez les abdominaux, vous pouvez légèrement tirer la poitrine vers le ciel. Chat. Sapta. Ashtau. Et Nava. Puis pour Paschimottanasana, vous pouvez venir attraper à l'avant les gros orteils avec l'index et le majeur, vous crochetez bien. Vous pouvez plier légèrement les genoux ou même les plier complètement. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi travailler avec votre sangle si c'est dans vos habitudes. Puis sur une inspiration, on va étirer la colonne vertébrale, le regard vers l'avant. Et en expirant, on vient fléchir les coudes et en gardant cet espace dans la colonne vertébrale, on va chercher à rapprocher notre ventre de nos cuisses. Toujours en essayant d'allonger le haut du dos. Donc pour ça, vous pouvez imaginer que votre poitrine est attirée par vos coups de pied. Regardez toujours les orteils. Fléchissez bien les coudes vers l'extérieur. Jatwari. Pancha. Chat. Sapta. Ashtau. Et Nava. Puis on inspire, on étire la colonne vertébrale. Le regard vers l'avant et on expire, on vient replacer les mains de chaque côté des fesses dans Dandasana. On va venir maintenant dans Vakrasana, une torsion. Vous pouvez ramener le pied droit à plat au sol, à l'extérieur de votre genou gauche. Puis vous venez placer le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vous pouvez aussi envelopper votre genou avec votre bras si c'est plus confortable comme ça. On vient poser le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos sur le sol. Et on inspire, on se grandit, on étire bien la colonne vertébrale vers le haut. À l'expiration, on part dans la torsion du buste vers la droite. Vous pouvez regarder votre épaule droite. Respirez bien ici. Plini. Chatouari. Pancha. Sur chaque inspiration, vous pouvez chercher à vous grandir un peu plus. Et sur chaque expiration, pressez un petit peu plus le coude et le genou l'un contre l'autre pour aller éventuellement un peu plus loin dans la torsion si vous sentez que c'est bon pour vous. Encore 2 respirations. Ashtau. Et Nava, puis on inspire, on tourne la tête vers l'avant et on expire, on relâche la posture dans Dandasana. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez plein du pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et vous venez placer coude droit à l'extérieur du genou gauche ou comme tout à l'heure, vous pouvez aussi enrouler votre genou si c'est plus confortable. Le bout des doigts de la main gauche placé au sol derrière le dos et on inspire, on se grandit. On expire, on part dans la torsion vers la gauche, le regard vers l'épaule gauche. Et comme tout à l'heure, sur chaque inspiration, on cherche à se grandir, à être de plus en plus vertical. Sur chaque expiration, on presse un peu plus le coude et le genou l'un contre l'autre pour aller dans la torsion. Pancha. Flexez bien votre pied à l'avant. Chat. Sapta, essayez de ne pas mettre trop de poids dans votre main gauche. Si vous sentez que vous avez beaucoup de poids, cherchez à vous redresser un petit peu. Encore une respiration. Nava, puis vous inspirez, vous tournez la tête vers l'avant. Et vous expirez, repassez par Dandasana. On continue avec Baddha Konasana. Vous pouvez venir placer vos plantes de pied l'une contre l'autre devant vous. Si vous sentez que vous êtes à l'aise dans cette posture au niveau de l'ouverture des hanches, vous pouvez rapprocher un petit peu les talons du pubis, mais ne le faites pas trop parce qu'on va ensuite se pencher vers l'avant, donc il faut quand même garder un petit peu d'amplitude au niveau du bassin. Choisissez un écart qui vous convienne bien.
Et vous pouvez venir attraper vos pieds avec vos mains et ouvrir vos pieds comme si vous ouvriez un livre, c'est-à-dire la plante des pieds vers le ciel. On vient poser les coudes sur les cuisses et on inspire, on se grandit, on étire la colonne vertébrale, cherche à faire le plus d'espace possible dans le buste. Sur l'expiration, tout doucement, on commence à pencher le buste vers l'avant, comme si on voulait venir poser le ventre sur les pieds et le visage au sol au-delà de nos pieds. Respirez bien dans la posture, allez-y progressivement. Vous pouvez vous aider un petit peu des coudes en pressant contre les cuisses vers le bas et un petit peu vers l'arrière pour vous aider à allonger bien votre dos. Vous pouvez aussi sortir un peu la tête comme une tortue qui sort la tête de sa carapace pour toujours allonger le haut du dos. Chat. Encore 3 respirations. Sapta. Ashtao. Et là, va, puis vous pouvez inspirer pour vous redresser et expirer, tendre les jambes devant vous. Pour Navasana, vous avez 3 options. On va faire les 3 options ensemble et vous vous arrêtez quand vous sentez qu'il faut vous arrêter. Donc, première version, on vient attraper l'arrière des cuisses, juste derrière les genoux, et on vient décoller les pieds du sol pour avoir les tibias parallèles au sol. Cherchez à être assis le plus possible sur l'avant de vos fesses et à sortir la poitrine pour garder le dos bien droit. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez tendre les bras devant vous, les paumes de main face l'une à l'autre. Les jambes sont toujours bien serrées l'une contre l'autre. Et si vous êtes toujours à l'aise ici, vous pouvez commencer à tendre une jambe, puis l'autre. Et pourquoi pas tendre les deux jambes si vous êtes très à l'aise dans la posture. Pancha. Chers, continuez à bien sortir la poitrine. Essayez de vous asseoir sur l'avant de vos os des fesses autant que vous pouvez, de ne pas rouler vers l'arrière. Encore 2 respirations. Ashtao. Et Nava, super. Puis reposez les mains au sol. Reposez les pieds au sol et vous pouvez passer par un tailleur. On va venir se mettre sur le ventre pour Bhujangasana. Vous pouvez poser les mains devant vous, décroiser les jambes et passer dans une planche. Et pour s'allonger sur le ventre, on va venir faire une petite pompe. Vous pouvez la faire avec les genoux posés au sol ou bien les jambes tendues comme vous préférez et vous pliez les coudes vers l'arrière et en gardant le corps complètement gainé, venir vous allonger sur le ventre. Les jambes sont tendues, les pieds serrés, gardez bien les talons l'un contre l'autre et on vient placer les mains sous les épaules, les coudes proches du corps. Sur une inspiration, on va presser les coudes pieds dans le sol, presser le pubis dans le sol. On commence à redresser la poitrine d'abord sans l'aide des mains. Et ensuite, vous pouvez terminer le mouvement en repoussant le sol avec vos mains. N'allez pas trop loin, gardez toujours les talons en contact l'un avec l'autre et le pubis, si possible, en contact avec le sol. Pancha. Respirez bien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Gardez bien les coudes collés au corps. Sapta. Encore 2 respirations. Ashtao. Et Nava, et doucement, venez reposer votre front au sol. Vous pouvez relâcher les bras devant vous ou le long du corps. Relâchez tout le corps. On fait une toute petite pause ici. Respirez bien avec votre ventre. Pensez à gonfler le ventre à chaque inspiration pour bien détendre au niveau des lombaires. Et vous pouvez vous retourner sur le dos pour Setubandhasana. On s'allonge donc sur le dos et on replie les jambes, les pieds posés au sol, proche des fesses. On écarte les pieds à la même largeur que nos hanches. Pendant toute la posture, on fera attention à ne pas avoir les genoux qui s'écartent plus aussi que la largeur de nos hanches. Donc toujours largeur des hanches, largeur des genoux, largeur des pieds. On étend les bras le long du corps, les paumes de main pressées sur le sol et on va d'abord rapprocher les omoplates l'une de l'autre sur le tapis. Puis sur une inspiration, on repousse le sol avec tout ce qu'on peut pour monter le bassin et sur l'expiration, on pousse le sol vers l'avant avec les pieds pour envoyer la poitrine vers l'arrière comme si on voulait venir poser notre poitrine sur notre visage. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez entrelacer les doigts, les paumes de main ensemble, tendre les bras et les plaquer contre le sol. Pancha, encore 4 respirations. Chat. Sapta, continue à envoyer la poitrine vers l'arrière. Ashtao. Et Nava, et tout doucement, vous pouvez reposer le bassin au sol, relâcher les bras. Si vous le souhaitez, ramener un peu les genoux à la poitrine, roulez un peu d'un côté et de l'autre.
Et vous allez pouvoir étaler les bras en croix sur le côté et laisser tomber vos genoux sur le côté droit. Tournez la tête vers la gauche. On prend 9 respirations ici. Trini. Jatwali, relâchez-vous complètement. Pancha. Chat. Sapta. Ashtau. Et Navapu à l'inspiration, on redresse la tête, on ramène les genoux au centre. Et sur l'expiration, on laisse les genoux tomber cette fois-ci du côté gauche. Et on tourne la tête vers la droite. Doué. Trini. Chatwali. Laissez le corps se détendre. Chat. Sapta. Ashtau. Et Nava. Et sur l'inspiration, on redresse la tête. On redresse les genoux. Si vous voulez, vous pouvez encore enlacer vos genoux et rouler un petit peu d'un côté sur l'autre. Faites tous les mouvements que vous avez besoin de faire pour détendre votre corps. Et vous pourrez venir, quand vous serez prêt, vous allonger sur le dos en Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Essayez de garder un petit peu d'espace entre vos bras et le corps. Et un peu d'espace entre vos deux jambes aussi. Relâchez-vous complètement si vous avez l'habitude de placer un coussin sous les genoux ou de faire n'importe quelle modification, faites-la, mettez-vous vraiment à l'aise, prenez le temps. Et installez-vous dans la posture la plus confortable possible. Relâchez tout votre corps sur le sol. Et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Laissez la respiration devenir de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Lorsque votre respiration sera revenue au calme, vous pourrez tout doucement commencer à allonger chacune de vos respirations en créant un petit peu plus d'espace pour l'air entrant dans votre corps sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Laissez le flux d'air sortir le plus lentement possible de votre corps. Dans ce processus. Imaginez simplement que vous voulez profiter au maximum de chaque inspiration et de chaque expiration. Essayez maintenant de voir à quel endroit de votre corps vous pouvez ressentir le plus votre respiration. Ça peut être par exemple dans les narines, dans la gorge, dans les épaules, les clavicules. Ça peut être dans le dos. Dans la poitrine, dans les côtes, et ça peut être dans les flancs ou encore dans le ventre ou à n'importe quel autre endroit du corps
cherchais juste ce qui fait le plus sens pour vous. Et cherchez à ressentir de plus en plus précisément les sensations de votre respiration dans votre corps. Et vous pourrez ramener votre attention sur tout l'arrière de votre corps, ou le dessous de votre corps. Toutes les parties qui sont en contact avec le sol, mais aussi les parties qui ne touchent pas le sol. Et sur chacune de vos expirations, laissez tout l'arrière de votre corps se relâcher un peu plus, s'enfoncer un peu plus dans le sol. Comme si tout l'arrière de votre corps devenait de plus en plus lourd. Les parties qui sont en contact avec le sol s'y enfoncent un peu plus. Et les parties qui ne sont pas en contact avec le sol s'en rapprochent un peu plus, tellement elles se détendent, tellement elles se relâchent. Et vous pourrez ramener votre attention cette fois-ci sur tout l'avant, tout le dessus de votre corps, y compris la peau de votre visage. Et sur chacune de vos expirations, relâchez un peu plus tout l'avant du corps. Laissez-le se déposer de plus en plus sur l'arrière de votre corps. Comme si tout l'avant du corps était en train de fondre sur l'arrière du corps, qu'il devenait de plus en plus mou, de plus en plus liquide. Tout doucement, vous pourrez commencer à ramener un peu plus de conscience dans votre respiration. Et en gardant les yeux fermés, vous pourrez commencer à remuer la tête de droite à gauche, à bouger doucement les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Et progressivement, ramener un petit peu plus de mouvement dans tout votre corps. N'hésitez pas à vous étirer, vous pouvez bâiller, soupirer. Faire tout ce qui est agréable pour vous en ce moment. Et quand ce sera bon pour vous, en gardant les yeux fermés, vous pourrez rouler d'un côté pour vous placer en position fœtale et prendre quelques respirations ici. Et toujours les yeux fermés, vous pourrez venir vous redresser, vous rasseoir en tailleur ou dans une autre posture assise confortable. Les mains relâchées sur les genoux, le dos droit, épaules détendues. Et on va terminer cette séance par un pranayama apaisant, Nadi Shuddhi, la respiration alternée. Vous pouvez placer votre main gauche en Chin Mudra, le bout de l'index contre le bout du pouce. Les autres doigts sont relâchés et on pose le dos de la main sur notre genou gauche. La main droite est en Nasagra Mudra, l'index et le majeur sont soit repliés dans la paume de la main droite, soit on les pose sur l'arête de notre nez.
On bouchera toujours la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire. On va commencer par prendre une grande inspiration par les deux narines. Et boucher la narine droite et expirer complètement par la narine gauche. Videz bien tout votre air. Et inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche. Ouvrez la narine droite et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Et expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Continuez encore un peu à votre rythme. Essayez de garder des expirations de même durée que vos inspirations. Et après votre prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez reposer la main droite sur votre genou droit en chin mudra comme votre main gauche. Prenez quelques instants pour observer votre respiration naturelle, pour observer votre corps et pour observer votre mental après cette séance. Voyez un peu comment vous vous sentez. Sans vous juger et sans chercher à modifier quoi que ce soit. On reste simplement dans l'accueil de ce qui est. Et vous pourrez ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant votre poitrine. On va terminer en chantant encore une fois le mantra Om. Prenez une très grande inspiration pour chanter. Et vous pourrez tout doucement relâcher la tête vers les mains. Désolée, la vidéo s'est suspendue à la fin. Merci beaucoup, namasté, merci pour votre participation. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Si vous voulez suivre les cours en ligne, ce sera un plaisir de vous retrouver à cette occasion. Très bonne soirée et à bientôt, j'espère.